Et donc salut à tous les amis, on se retrouve pour la review Dark 5, la review de l'épisode numéro 101 donc, qui est un épisode assez badass, je dois vous l'avouer. C'est un épisode où j'ai noté énormément de choses à tout simplement à vous décrire en quelque sorte. Donc on va y aller direct, hein. Donc la fin du sang de l'arc Fave numéro 100, c'était donc comment il s'appelle, Kaito, qui allait affronter Sawatari, Yuya et Gonganzaka normalement. Et en fait, là on arrive le début de l'épisode et tout. Il y a Yuya qui demande donc à Kaito pourquoi est-ce qu'il a fait ça en fait, avant le duel, hein, bien évidemment. Il lui demande pourquoi il a fait ça. Le ça en question, c'est transformer les membres d'Académie en des cartes. Et donc Kaito lui répond que c'est normal parce que justement ils viennent d'Académie. Et Yuya lui dit que non, justement, parce qu'en faisant ça, il ne vaut pas mieux qu'eux. S'ils les transforment eux-mêmes en cartes, tout simplement il les fait super le même sort, donc il ne vaut pas mieux. C'est la logique de Yuya, et c'est la logique de Kaito quelque part. Et donc Kaito, il en a un peu marre de blablater et tout. Et il veut vérifier s'ils ne sont pas des ennemis, enfin, il veut vérifier si ce sont des ennemis ou des alliés en les affrontant. Et on a Sawatari qui accepte le duel. Donc juste Sawatari. Contrairement à ce qu'on pensait, on pensait qu'il allait avoir les trois contre Kaito. Et bien non, c'est juste Sawatari. Donc le duel commence. Sawatari commence. C'est lui qui commence le duel donc. Et pendant son tour, il invoque. Alors, c'est bien évidemment une traduction littérale comme j'ai l'habitude de vous en proposer. Alors, j'ai nommé l'acteur des abysses Espoir Sauvage. Donc, c'est son archétype, c'est les acteurs des abysses. Et il pose une carte, tout simplement. Voilà, un petit tour, voilà. D'ailleurs, l'Espoir Sauvage, il me semble qu'il a 1600, hein, je crois. Mais tout à coup, il y a Gonganzaka qui décide de se joindre au duel. Et oui, mine de rien, donc. Finalement, ils sont deux contre Kaito. Et donc, vu qu'il se joint au duel déjà en cours et que voilà, il prend 2000 points de pénalité, Gonganzaka. Donc, il est un peu con, il aurait peut-être dû machiner avant, mais il n'a pas réfléchi et pas assez vite, il faut croire en tout cas. Et donc, il invoque un monstre, c'est à son tour donc. Il invoque un monstre, oui. Il active l'effet. Enfin, j'ai pas noté le nom des monstres de Gonganzaka, je suis désolé. Et il active l'effet d'un autre monstre depuis sa main. Pour l'équiper à celui qu'il vient d'invoquer en fait, ce qui fait en fait, c'est un effet, comment dire, c'est un effet commun en quelque sorte, ce qui fait que Sawatari et Kaito ne peuvent plus s'attaquer entre eux, mais ils peuvent seulement attaquer le monstre de Gonganzaka. Donc en fait c'est assez stylé, parce que pour ceux qui n'auraient pas compris, en fait c'est une espèce d'image, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est une espèce de signe que fait Gonganzaka en fait. En gros, en leur disant ne vous affrontez pas, c'est moi qui prendrai les coups au pire, tu vois. Donc c'est assez stylé, mine de rien. Enfin, je trouve ça sympa parce que d'habitude, vous voyez, ça se fait avant le duel ou des trucs comme ça, le fait qu'ils disent ne vous battez pas, etc. et tout. Et là, Gonganzaka, il arrive dans le duel et il fait en sorte que les deux ne puissent pas s'attaquer. Et ça, je trouve ça assez stylé, mine de rien, parce que c'est rarement fait. Et donc voilà, tout simplement. Et en plus de cela, si l'un des deux, enfin si Kaito ou Sawatari attaque avec l'un de leurs monstres celui de Gonganzaka, leur monstre aura son attaque diminuée à 0. Donc ils sont un peu dans la merde vu les points de défense du monstre. Voilà. Donc en fait oui, donc la stratégie de Gonganzaka étant que les deux ne se battent pas pour tout simplement pour prouver à Kaito en fait que ce sont des alliés et non pas des ennemis en fait. Donc il ne veut pas lui faire de mal pour lui prouver ça. C'est comme ça que Gonganzaka résonne en tout cas. Et donc voilà. Mais Sawatari, il en a marre de ça, il trouve que c'est pas, justement c'est pas fair play et tout. Et donc il décide de prendre une action card, parce que oui, il y a eu le crossover. Et en fait c'est une action card, alors j'ai pas du tout noté le nom, je suis désolé encore une fois. Mais ça inflige 300 points de vie à Kaito pour chaque carte qu'il a dans sa main en plus de celle de Sawatari. C'est-à-dire, imaginons, Sawatari il a un nombre de cartes, enfin je vais vous le dire, Sawatari il a 3 cartes et Kaito il en a 5. Donc en fait, vu qu'il a 2 cartes en trop comparé à Sawatari, eh bien il va perdre 2 fois 300 points de vie, donc 600. Donc voilà, c'est une carte assez
pourquoi pas, hein. Enfin, ça ne veut rien dire comme phrase, je sais, mais voilà, c'est un petit, enfin, Sawatari fait ça en fait pour prouver que justement, malgré la défense de Gonganzaka, qui s'applique aux deux donc, eh ben il peut quand même arriver à toucher Kaito, et c'est assez malin quand on y pense. Et en fait, ça active l'effet du monstre d'équipement de Gonganzaka, qui en fait, lorsque l'un des deux joueurs, lorsque l'un des joueurs perd, enfin subit des dommages quoi, perd des points de vie, eh bien le monstre d'équipement est détruit. Donc c'est un petit peu con, mine de rien, mais voilà. Et donc c'est au tour du fameux Kaito-sama, le vrai Kaito des Excel. Enfin non, justement c'est pas le vrai. C'est une version alternée évidemment. Et on va voir ça tout de suite parce qu'il a un nouvel archétype Kaito, évidemment, comme Crow, comme Jack, comme tout ça. Comme Aster et Alexa quand on les verra, c'est exactement pareil, enfin je suppose. Et donc Kaito en fait, si vous vous souvenez à l'époque il avait des photons, voilà les photons c'est quand même assez célèbre dans Yu-Gi-Oh! Et cette fois-ci il a un archétype que j'ai trouvé la traduction extrêmement bizarre. En fait l'archétype s'appelle les Cypher, et alors oui j'ai tapé sur Google Traduction, oui voilà. Et en fait, les Cypher, apparemment, ça serait la traduction de chiffrer. Vous savez, comme si un déchiffre, quoi, tout simplement. Et donc, en fait, il invoque, alors, bien évidemment, traduction littérale, encore une fois, les ailes chiffrées. J'ai décidé d'appeler ça comme ça, hein, voilà. Et en fait, il peut en invoquer une autre, puisqu'il en a déjà une sur le terrain. Donc, ça fait qu'il se retrouve avec deux. Donc, c'est deux petits monstres de niveau 4 qui ont 1800 ou 1600, je sais plus. Ah non, non, peut-être 1400, parce que vraiment, oui, ça doit être 1400, je pense. Bref, et tout le monde, en fait, pense qu'il va faire une Xyz de rang 4, justement, hein. Mais Sawatari le contre, et il décide donc d'activer un piège qu'il avait posé face cachée, une carte piège continue, en fait, dont je n'ai pas noté le nom, encore une fois, qui, en fait, ça l'empêche de faire des invocations Xyz de rang 4, justement. Enfin, plus précisément, ça l'empêche de faire des Xyz avec des monstres de niveau 4. Plus précisément, c'est ça l'effet. Voilà. Donc en gros, ça l'empêche de faire des Xyz de niveau 4. Enfin, de rang 4. Et donc en fait, Sawatari fait cela pour l'empêcher d'appeler son dragon. Parce qu'il pense que son dragon est de niveau 4. Bon, bien évidemment, Sawatari est très con. Voilà. Donc vous vous doutez bien, surtout ceux qui connaissent Kaito, vous vous doutez bien qu'il n'est pas de niveau 4. Enfin, qu'il n'est pas de rang 4. Mais voilà. Donc Yuya dit en fait qu'il en faudra plus pour battre Kaito. Mais en fait il se souvient d'un truc Yuya, c'est que il n'est pas censé connaître le nom de Kaito en fait. Il n'est pas du tout censé le savoir. Et en fait il s'agit de Yuto, qui est donc bah, toujours dans l'intérieur de Yuya, hein, qui en fait qui lui explique qui est Kaito. En fait Yuto connaît Kaito et lui explique que c'est un dresseur très connu à Arsland, etc. Que... Enfin voilà, il lui explique plein de choses sur Kaito au fur et à mesure de l'épisode, mais il trouve que son expression est bizarre et son expression a changé, il n'est plus le même qu'avant. Et enfin voilà, comme d'hab quoi. Et donc justement, c'est au tour de Kaito, c'est toujours au tour de Kaito, qui active alors une carte magique continue que j'ai nommée Interférence Chiffrée en fait. Qui, s'il a deux monstres Cypher avec le même nom, donc il a deux fois les ailes chiffrées là, les Cypher Wings. Eh bien, l'attaque de l'un des deux est doublée. Donc c'est assez stylé comme effet, c'est assez pété même. Et donc en fait, il attaque Sawatari en détruisant son monstre, plus directement. Donc en fait, il fait tout simplement une double attaque sur Sawatari, qui passe donc à 1400 points de vie hein, d'un seul coup, c'est quand même assez énorme. Et il pose deux cartes et décide de terminer son tour. Quand tout à coup, il y a Yuto qui donc continue à parler de Kaito. Il explique en fait que Kaito est très fort et que avant l'invasion d'Arcadémia à Arsland, il était considéré comme le champion d'Arsland en quelque sorte. Enfin, il n'y avait pas vraiment de champion en fait, mais il était vraiment considéré comme s'il devait y avoir un champion à Arsland, et bien ça serait Kaito, tout simplement. Et que là, en fait, il se bat d'une façon beaucoup plus agressive qu'à l'époque où il l'a connu. Donc ça l'étonne en fait. Et donc, c'est au tour de Sawatari cette fois-ci, qui décide de placer. Deux échelles de pendulum, une échelle 1, une échelle 8, du coup ça fait qu'il peut invoquer évidemment des monstres de niveau 2 à 7, et donc il invoque, vous savez, son espèce de monstre, de nouveau monstre fétiche, le Big Star, donc, que j'ai nommé Grande Étoile, bon voilà, et il rappelle Espoir Sauvage depuis son extra deck, sachant que Big Star était depuis sa main.
Et en fait, ça étonne Kaito parce que Kaito, il a jamais vu d'invocation pour l'OM. Et ouais. Et sur le coup, il se dit que ils ont une technique d'invocation assez bizarre et tout, que c'est pas une technique d'invocation de Arslan, donc ce sont des ennemis. Et oui, Kaito, il raisonne comme ça. Et en fait, on a encore un plan avec Yuto, qui en fait, il explique qu'il était en fait, comment dire, il était dans une école avec Shun, c'est-à-dire, en fait, il y a une école de duel à Arslan, voilà, on va résumer ça plus simplement, il y a une école de duel à Arslan. Et avec apparemment 4 branches, dont on en connaît 2 grâce à Yuto. En fait, ils étaient. Donc, il y avait lui, il y avait aussi Luli. Enfin, je pense. Il y avait Shun, Yuto, Luli, Kaito dans l'école de duel d'Arslan. Et en fait, Shun et Yuto étaient dans. Alors, apparemment, c'est encore une traduction littérale. Dans la branche de pique. Donc, c'est si vous savez, si vous voyez un peu, c'est. C'est une classe quoi. En gros, il y a 4 classes et eux ils étaient dans la branche de pique. Et Kaito, lui, était le plus fort de leur branche rivale, justement, la branche de trèfle. Donc voilà. Et voilà, tout simplement, Yuto explique ça. Ce qui est assez sympa en fait, niveau révélation, c'est quand même assez énorme parce qu'on pensait pas qu'il y avait. Enfin, une école de duel, ouais, mais on pensait pas qu'elle était comme ça et tout. Et donc voilà, tout simplement. Et donc c'est toujours l'effet de Sawatari qui active l'effet de Big Star en fait. Il peut ajouter une carte magique Script Abyss. Donc script comme les scripts que je vais pour prendre les notes d'Arkfive, par exemple, que je vais voir. Donc il ajoute une carte Script Abyss à sa main depuis son deck. Et il peut l'activer. Donc désormais, en fait, quand Big Star détruira un monstre de Kaito, 3 cartes de son extra deck seront bannies. Ce qui est absolument pété, hein, on est bien d'accord. Donc, et c'est assez stylé d'ailleurs comme combo de la part de Sawatari et comme stratégie même. C'est quelque part, il veut faire de l'anti-jeu, hein. Donc, il active également en fait une autre carte magique, la boîte à costume, qui lui permet d'activer un costume Abyss par tour en fait, depuis son deck, je crois. Et en fait, il équipe son Big Star, encore une fois. D'une espèce d'épée un petit peu bizarre, enfin c'est du spectacle quoi. Et en fait ça lui donne 300 points d'attaque. Et il active également l'effet d'un de ses pendulums qui en fait, comment dire, en renvoyant un monstre de son terrain à son extra deck, il peut ajouter son attaque à un autre monstre. Donc il renvoie donc Espoir Sauvage qui avait été renvoyé, enfin qui avait été réinvoqué depuis l'extra deck pour donner ses 1600 points d'attaque à Big Star qui passe donc à 4400 avec tout ça. Donc c'est quand même assez énorme. On a Kaito donc qui active à ce moment-là, juste avant même l'attaque de Sawatari, donc il active ses 2 cartes. La première étant, enfin, en fait, il active une carte plus une qui était déjà posée. C'était l'interférence en fait. L'interférence était déjà activée, ça je vous l'ai dit. Et en fait, il peut l'activer durant le tour de l'adversaire. Et en fait, ça double les points de l'un des deux quoi. Et l'autre carte qu'il a activée étant un piège continu nommé le bouclier chiffré, qui fait en fait que ces monstres ne peuvent pas être détruits au combat. Et en fait, ça active sa deuxième carte face cachée, donc, qui est la chaîne chiffrée, qui en fait relie tous les monstres sur le terrain. Et si jamais l'un des monstres est détruit, c'est-à-dire que ce soit le monstre de Gonganzaka, les monstres de Sawatari, les monstres de Kaido. Si jamais l'un d'eux est détruit, ils seront tous détruits et tous les joueurs recevront des points d'attaque combinés, enfin les points d'attaque de tous les monstres combinés en dommages. C'est-à-dire que tout le monde perd, tout simplement. Mais Kaito est intelligent et il explique également que lui, il est protégé par son bouclier et donc il ne pourra pas subir de dégâts par cet effet. Donc en gros, si Sawatari attaque et détruit ses monstres, Gonganzaka et Sawatari auront perdu et Kaito sera toujours. Il aura pas perdu, il sera vainqueur tout simplement. Voilà, donc assez balèze le Kaito quand même. Je le trouve même plus balèze que Zexal, pardon. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Donc on a Sawatari qui n'a pas d'autre choix, donc bien évidemment de finir son tour sans attaquer. Et donc l'attaque de Big Star revient à 2800. Et donc c'est au tour de Gonganzaka en fait qui invoque et synchronise deux monstres. Enfin, il invoque un monstre et il synchronise avec celui qui était déjà sur le terrain, voilà. Donc ça fait qu'il synchronise deux monstres. Et il invoque, alors vous savez, ces espèces de gros trucs, Sarutobi. C'est comme ça qu'il s'appelle le monstre. Il active son effet en fait que s'il n'a pas de carte magique et piège dans son cimetière, apparemment, il peut détruire une carte de l'adversaire et infliger 500 points de vie. Donc il détruit la chaîne
la chaîne chiffrée de Kaito, mais vu qu'il a le bouclier, Kaito ne perd pas de points de vie. Puisqu'il a en fait son bouclier, ça l'empêche de perdre des points de vie du moment qu'il a des monstres chiffrés sur le terrain. Donc c'est assez pété quand même. Donc voilà. Et à ce moment-là, en fait, Sawatari active pendant le tour de Gangan Zaka, hein, il active l'effet de sa boîte pour donner une carte qui augmente de 300 la défense du monde de la défense du monstre de Gangan Zaka. Donc et en fait, vous savez que les monstres de Gangan Zaka, putain, c'est dur à dire, désolé. Ils attaquent avec leur point de défense. Donc là, il est à 3100, donc il peut clairement détruire les monstres de Kaito, quoi. Mais grâce à ces deux cartes qui étaient donc l'interférence chiffrée et donc le bouclier, Kaito ne subit que de légers dégâts et ses monstres ne sont pas détruits. Voilà. Donc, il est assez pété quand même. Et en fait, donc sur le coup, Sawatari et Gangan Zaka, ils sont très confiants, ils se disent qu'ils ont l'avantage, tout ça et tout. Et Yuya, il dit qu'il devrait faire attention et tout, quoi, parce qu'il y a un truc. Enfin, et Yuto surtout le prévient en fait. Et Sawatari, il réplique en lui disant que de toute façon, il peut pas faire d'invocation Xyz, donc bon, il est foutu quoi qu'il arrive. Et c'est à ce moment-là que ça devient sérieux, les amis, que ça devient badass, que ça devient épique et que j'ai kiffé comme jamais. Enfin, comme jamais, si quand même. Mais en vrai, ce passage est trop kiffant. Donc en fait, c'est au tour de Kaito qui appelle une troisième paire d'ailes chiffrées. Et Sawatari lui demande en fait, pourquoi tu fais ça? Tu peux pas faire des invocations Xyz de niveau 4, enfin de rang 4. Donc ça ne sert à rien de remettre un monstre de niveau 4, c'est inutile. Et en fait, Kaito lui le coupe en lui disant, qui a dit que si je faisais une invocation Xyz, elle serait de rang 4? Et sur le coup, on comprend qu'il y a quelque chose. Et donc en fait, Kaito active... Enfin, il sacrifie une paire d'ailes chiffrées pour activer son effet, en fait, qui fait que les deux autres vont gagner 4 niveaux. Donc, il passe au niveau 8. Et oui, les amis. Donc, évidemment, il les superpose. Et donc, il appelle le dragon chiffré aux yeux galactiques. Le fameux Galaxy Eyes, qui est de retour, mais dans une version alternée. Donc, comme le Red Demon de Jack, en fait. Et donc le dragon chiffré aux yeux galactiques, le fameux, qui est trop stylé, bordel, il est trop stylé. Je le trouve même plus beau que l'original, vous savez quoi? Plus beau, après, et plus pété aussi, oui c'est vrai, vous allez voir ça. Parce qu'en fait, Kaito, enfin, l'invocation, je m'arrête 2 minutes pour l'invocation, est trop épique, sans déconner, vous allez kiffer, quand vous verrez l'épisode, si vous l'avez pas déjà vu bien évidemment, vous allez juste kiffer, l'invocation est trop géniale. Bref. En plus, il y a une nouvelle OST, c'est totalement épique, c'est génial. Voilà, donc il active l'effet du Galaxy Eyes, qui en fait, il détache un matériel pour activer son effet, bien évidemment, comme tout Xyz qui se respecte. En fait, il peut... Alors, tenez-vous, c'est assez broken. Hein. Il prend le contrôle... Enfin, il peut annuler l'effet d'un monstre adverse et en prendre le contrôle jusqu'à la fin du tour. Donc en fait, il annule l'effet de Sarutobi, et il le prend... Bah, il prend le contrôle de Sarutobi, tout simplement, de Gangan Zaka. Et en fait, le Sarutobi va se transformer en un deuxième Galaxy Eyes. Donc, c'est assez pété, parce que il le passe en mode attaque. Et en fait, vu qu'il a deux monstres qui ont le même niveau, enfin, qui ont le même nom, pardon, pas le même niveau, mais le même nom, donc parce qu'il a un Galaxy Eyes, et le Sarutobi qui est devenu un clone du Galaxy Eyes, et bah, du coup, ça fait que les points d'attaque. Grâce à l'interférence chiffrée, les points d'attaque de l'un des deux sont doublés. Et ouais, ça marche même pour le Galaxy Eyes, c'est absolument pété. Donc le Sarutobi, il passe à 6000 d'attaque. Enfin, le Sarutobi qui est un clone du Galaxy Eyes, il passe à 6000 d'attaque. Et donc il attaque le monstre de Sawatari qui perd. Et de toute façon, il perd et puis il perd le duel. Hein. Il lui restait que 1400 points de vie. Et il attaque également Gangan Zaka qui perd aussi parce qu'il n'avait plus de monstre pour se protéger. Donc voilà, tout simplement. Et à ce moment-là, donc bah, Kaito a gagné bien évidemment. Et Kaito veut les transformer en cartes. Et Yuya arrive pour l'en empêcher en fait, bien évidemment, comme tout shonen qui se respecte, on va dire. Et donc Yuto lui dit que vu son esprit, ça ne sert à rien d'essayer de le raisonner. Tu perds ton temps, mec, c'est inutile. Et Yuya, en fait, pense que s'il fait un duel avec Kaito, il trouvera peut-être le moyen de communiquer avec lui. Et voilà. C'est comme ça que l'épisode s'achève, les amis. Et donc, la preview,
La preview, elle nous montre que Yuya et Kaito, donc bien évidemment, vont s'affronter. Hein, voilà, on est tous des génies. On arrive à deviner ça, c'est incroyable. Plus sérieusement, et en fait, la preview, quand même, elle en jette. Kaito, en fait, il est persuadé qu'ils viennent d'Academia et il veut les détruire. Il veut vraiment les détruire, qu'ils disparaissent, tout ça et tout. Et en fait, dans le duel, Yuya va invoquer le Odd Eyes Rebellion et donc le Dark Rebellion de Yuto. En fait, et ça va interpeller Kaito, qui semble reconnaître le monstre, et quand il regarde Yuya, il semble reconnaître Yuto à la place de Yuya également. Donc voilà, c'est tout ce que la prévue nous montre, les amis. Donc, ça veut dire que Kaito, dans le prochain épisode, va se rappeler de Yuto. Donc, est-ce que ce sont des anciens amis? Apparemment, ce sont des rivaux, mais peut-être amis aussi, on ne sait pas. En tout cas, Kaito connaît Yuto, il faut croire. Bien, on verra ça de toute façon dans l'épisode de la semaine prochaine. Voilà, c'est à peu près tout. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et puis je vous donne rendez-vous normalement mercredi. Ah non, oui justement, parce qu'on m'a informé, aujourd'hui même. Donc petite annonce, on m'a informé aujourd'hui même que la semaine prochaine il n'y aurait pas d'épisode Dark Five. Donc ça, j'en suis désolé. Tout ça à cause de leur film de DM de 2016 de merde, tout simplement. Et donc il n'y aura pas d'épisode Dark Fate parce que c'est le dernier week-end avant le film. Donc ils vont faire une promotion sur le film et tout. Donc voilà, donc on se fait baiser. Merci, c'était sympa. Et donc je vous dis rendez-vous dans 2 semaines donc. Ou alors peut-être il y aura une review sur XYZ, mais je pense pas. Donc voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé et puis rendez-vous à la prochaine, voilà, tout simplement. Allez, des bisous!